Le coup d'envoi qui a été donné déjà par le siphon, ou Ali, vous finalez. Oui, dans l'axe, un partenaire bien positionné, Samadou Ouidraogo. Il doit être le plus. Et qu'avant, c'est un le Raimo FC de Kanyobo, chassé de ce ballon, c'est Moustapha Yakoubou, ballon au point de pénalty, envoi de la défense pour qu'il avait au niveau de la défense ghanéenne avec Abdoul Adam. Rachid, après le cuir, attention à cette accélération d'attaque de cette équipe du Burkina. Les derrière ont réussi à ressentir pratiquement le cuir pour une nouvelle possibilité offensive. Et cette équipe du Burkina Faso a semblé en place. Et ça dérange un peu le système de l'entraîneur ghanéen, Kéré. Il arrive à trouver Martin Lé. Sur le côté gauche, bien, il y a on essaie de trouver un partenaire, lequel va s'appeler même ce sommet, et finalement c'est une occasion gâchée. Allez, les Ghanais qui font partie cette fois-ci de l'inquiétude à la défense burkinabé. Entre Moustapha Yakoubou et son vis-à-vis, il va revenir chercher la solution avec un partenaire lequel va perdre le il va revenir chercher la solution avec un partenaire lequel va perdre le contrôle. De la rencontre. Attention à ce ballon qui traîne dans la 45e assemblée générale ordinaire de la CAF. Abdoul Ouattara. Moi je pense. Pour clore cette première partie de la rencontre. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Très belle rencontre. Du Burkina. Attention à Martin Blé. Et là la faute. La faute qui sera condamnée. Attention de Afrié, Diori. Va retourner Abdoul Ouattara au point de pénalty. Va profiter à Moussa. Abdoul Ouattara. Abdoul. Abdoul. Le deuxième but. Le but qui vient crucifier complètement. Ce but-là qui vient clouer au sol. Cette équipe du Ghana. Lui évolue avec la formation de vitesse qu'il a de Ibrahim. Plutôt. Raouf Dao dans ce trou de rat. Il a voulu avec 4 minutes de terrain, 3 défenseurs.
Boadou veut revenir au score. Il veut revenir au score. Voilà. Il est des comptes rageurs. Allez, on a trouvé Djeri Afrié qui n'a pas pu passer son vis-à-vis. Le ballon de Mohamed pour un adversaire. On va poser le cul maintenant. À 6 minutes de la fin, il ne s'agit pas de mener des attaques précipitées. Il faut plutôt mettre le pied sur le ballon pour ne pas encaisser. Garçon, qu'est-ce qu'il nous a servi ? Djeri Afrié qui a fait le plus difficile. Mais au dernier moment, on va arrêter cette occasion de but. Et ce n'est pas encore terminé. Avec Mohamed. Mohamed, dans l'axe, va essayer de trouver un partenaire. On retrouve Djeri Afrié qui s'infiltre là. Derrière, il est sanctionné. Position d'enjeu de Djeri Afrié.